Lisa McCarman de la 41e. Je leur ai dit de ne pas manger les infectés. Ils ont tous changé. La lumière leur faisait peur. La lueur de ma torche les plongeait dans une colère noire. J'ai désactivé l'ascenseur pour les bloquer ici. Dieu est leur âme. Journal perso, Sam Ackerman. 3 jours que je me cache, seul dans les ténèbres. Je dois atteindre la radio pour appeler de l'aide. Je dois pouvoir me faufiler entre eux. En lançant des objets, le bruit devrait détourner leur attention. Ackerman, c'est bien vous ? Mon Dieu. Je vous sens. Je sens.
quelle bonne nouvelle! Ellie, ça fait du bien de t'entendre. Mais comment t'as fait? On était persuadés que t'étais mort. J'ai suivi tes signaux. Tout le monde va bien? J'ai vu Carver. Oui, oui, ça va. Carver est là, on l'entend. Isaac, vite, tu dois nous joindre. On est au poste central. Je vais aussi vite que possible.
savais que tu réussirais. Heureux de vous retrouver, Isaac. Peut-être que tu voudrais qu'on vous laisse en privé. Qu'est-ce que tu as signé ? Eh bien, tu as l'air un petit peu trop contente de le revoir. On a besoin de lui. C'est pour la mission qu'il est là. T'es sûr que c'est pas plutôt pour toi ? Hey, vous avez quelque chose à me dire, capitaine ? Stop ! Ça suffit ! Il faut qu'on arrête cette machine, et on sait même pas où elle est pour l'instant. En fait, si. Disons qu'il y a peut-être un moyen. J'ai un peu étudié les observations des chercheurs et... Je croyais qu'ils avaient tout détruit. Les micro-données, oui. Mais les notes manuscrites font état d'une expérience de détection du signal qui aurait localisé la machine. En refaisant l'expérience, on peut la trouver. Mais... c'est à l'autre bout du complexe. Très bien. Allons voir ça. Je changerai bien un peu d'air. C'est un trou du cul. C'est ça.